we come back for the third and final roundtable of this session to discuss cooperation with a panel of five people representative of several organizations working for the Mediterranean. So we will have Madame Jandrou Massalou, Vice President of the GID, will give us a presentation of Mediterranean cooperation and the Union for the Mediterranean. Miss Magda, yes, I know, but I present all the panelists just quickly. Thank you. Mrs. Magda Boudagari-Cara from EFIMED will present the Mediterranean Forest Research Agenda. Mr. De Dato, who represents the FAO Silva Mediterranean Secretariat. Mrs. Caldi, President of the International Association of Mediterranean Forest, will present. Mr. And Mr. Placido Plaza from the French Academy of Agriculture will share his reflection on the international cooperation on forest. So without a delay, I would like to hand over to Mr. De Dato from FAO. Thank you. Okay, I will briefly show you 100 years of history of Silva Mediterranean. The title of the presentation is Silva Mediterranean, 100 years of forestry cooperation serving Mediterranean forest. So you have seen the logo in the first slides several times. And so now I can explain what Silva Mediterranean is. It is a statutory body of FAO, whose membership is open to all members of FAO, and in particular to the Commission, European Forestry Commission, the Near East Forestry Commission, and the African Forestry and Wildlife Commission. But not only, as you can see from the map, because there are also countries outside of the Mediterranean region, and they are there because they share with the Mediterranean area some economic features. In terms of forest agriculture or grazing. Currently, there are 27 members, including states and the EU. The mission of Silva Mediterranean is to analyze trends in the use of forest land, to advise member governments according to this change, and so show the how to reorient and improve the so the actions to deal with this, to assist in the formulation and implementation of national forest policies, and identify forestry research priority in the area, and in case also. to facilitate the dialogue and the creation of projects. The first idea, the draft of Silva Mediterranea, is dated back to 1911, when a French forester recognized the need for the Mediterranean region to introduce new technique, a new approach to the silviculture of the Mediterranean forest. But officially, it was in 1922 that Silva Mediterranea, with the name of Mediterranean Forestry League, was created, and in 1948, it became part of FAO. And the members meet regularly at his sessions that are held about every 2 years. And so really quickly, just to mention were the main topics. In the past, clearly, the focus of the sessions were mainly related to the needs to reforestation, how to increase the productivity and the forest cover. Moving to the most recent years, the focus of the sessions in Silva Mediterranea has changed, and quickly the session in 1992 was mainly focused on how the Mediterranean countries can deal with the adoption of the decision of the
taken during the Rio Convention. And then another key step was the session in 2017 in Agadir, Morocco, when the Agadir commitment was endorsed by 9 countries of the region. And the Agadir commitment has the aim to restore at least 8 million hectares of degraded land in the Mediterranean area. Then in 2019 in Brumana, Lebanon, during the session, the country members adopted the new strategy for the period 2019-2030. That stress the need to contribute to the 2030 agenda for sustainable development. And then the most recent one in 2022, that was in Antalya, Turkey. It was important because it was the place where the Mediterranean area was presented. So the members decided to present the region to the flagship initiative of the UN Decade, and it is also the session where the Mediterranean Youth Dialogue happened, and that was the start of the Mediterranean Youth Task Force that Lucia mentioned before. So it was a really important session for us. Here is mentioned that the next one will be in Tunisia, but then there have been some changes in this organization. We have to move this event to another country. It is still not official, but I hope that the official one can be announced recently. But anyway, it will be in November 2024. Another commitment of Silva Mediterranea, besides the its session, is to organize the Mediterranean for Forest Week. That is one of the most important fora for the region, clearly, where different actors meet, researcher, policymaker, and stakeholders to increase the dialogue. And it was during one of these Mediterranean Forest Week, the last one was all together, so they are at least in the recent years, the Mediterranean Forest Week weeks go together with the Silva Mediterranea session, and the last one was in Turkey in March 2022. And it was during one of these Mediterranean Forest Week that some projects were, agreed or endorsed. One of the most important in the last period was this one funded by the German Climate Initiative. The name of the project was Paris Agreement in Action. Saw the involvement of Lebanon to Morocco mainly, but there was also a Mediterranean regional component, and it was focused on implement restoration activities, organize exchange visits on restoration, update on the national determined contribution, and also in establishing some pilot inventory for the estimate of forest biomass. I mentioned before the flagship. The Mediterranean region was shortlisted as a restoration flagship in the framework of the UN Decade on ecosystem restoration. Silva Mediterranea will receive a target fund that will focus on capitalizing on good practices on post-fire restoration in the Mediterranean. The official launch will happen soon, and also the related activities. So this is a project that is approved, but that we'll see the start in the next months. An important publication of Silva Mediterranea that I also mentioned yesterday is the State of Mediterranean Forest.
The first editions were published in 2013 and 2018. The aim of the and the next one will be published in November 2024. The idea is to launch it during the next Mediterranean Forest Week in autumn 2024. So clearly they are focused on the statistics on the forest cover and biomass and carbon for the region, and but each of them have then some specific topics. The next one will be more together with the statistics will be also focused on the main threats caused to Mediterranean forest by climate change and how the restoration efforts in the region can increase the resilience of forests to these threats. I mentioned BB before, and I won't spend time on this, but we are really happy of the creation of this Mediterranean Youth Task Force that besides the five working group of Silva Mediterranea that are, let's say, more official, led by the member countries, but this is basically the youth branch of Silva Mediterranea. Sorry. And so the final slide, the recommendation that is also related to what I said yesterday, that we really need to think of the Mediterranean region as a unique and a whole so as a single area and not a pieces of as a sum of countries, and that there is a strong need to improve the dialogue and collaboration at the regional level between the academic world and policymakers and among the young generation and the higher levels dealing with forest issues in the region. Then the last point, maybe it is not actually a recommendation, but it is a fact. So clearly this can also be overtaken with the increase of funding. And so since, we are in two different continents, so with some sources from the EUA, but EU, sorry, that can hardly be somehow transfer to North Africa and Near East countries for increase the dialogue and the collaboration. So this is maybe another important element that we will need to bring to the proper decision makers in order to increase this dialogue that is at the basis of the for a fruitful future. So with this, I thank you. And since this is my second presentation here, and I just want to thank you all the team I mainly work with, that is Christophe Bessassier, Valentina Garavaglia, Carolina Gallo Granizo for the FAO Forest Landscape Restoration Mechanism of FAO, and then clearly the Lucia Rivera Lima and Emily Rowe of the that support me in the activities of the Secretariat of Silva Mediterranea. Thank you. That's it. Thank you very much for this presentation, which helps to situate the role of Silva Mediterranea, in particular with the animation of a group of member countries and actors of the Mediterranean Basin, and especially with the event of the Mediterranean Forest Week, with a key event. We will have the opportunity, of course, to come back to this historical statutory body of the FAO. So now we welcome Professor Magda Boudaguer-Cara. You are a plant gen. Yes, I know, but maybe there are people who know. Okay, no? Oh. Votre humilité vous honore, madame. C'est gentil.
Voilà, je gagnerai quelques minutes Allez. à mieux exposer en fait ce qu'on fait, ce qui est essentiel. Donc là, je suis là pour présenter la Mediterranean Forest Research Agenda 2030. Donc c'était le gros paquet qu'on m'a confié. Donc c'est un bébé de 6 mois qu'on m'a confié quand j'ai rejoint EFIMED l'année dernière, parce qu'il a été préconçu par mes prédécesseurs. En fait, le projet du Mediterranean Forest Research Agenda, c'était la deuxième édition, puisque la première, elle a été conçue en 2010 pour jusqu'à 2020. Et donc, elle est née d'un besoin de recenser au niveau de la communauté scientifique de la Méditerranée quelles sont les zones d'ombre qui mériteraient plus d'attention, que ce soit en termes de financement, en termes de collaboration ou autre. Donc, juste avant Covid, la deuxième version, et donc ils ont commencé à préparer l'agenda 2020-2030, sauf qu'il y a eu Covid, il y a eu plein de problèmes, comme vous le savez tous. Mais ce qui a été fait juste avant, c'était de décider les grands thèmes. En fait, EFIMED, forte de son réseau méditerranéen de chercheurs et d'experts méditerranéens, mais également internationaux, ils ont fait une sorte de consultation et ils ont réussi à distinguer 4 thèmes. Le premier sur la résilience des forêts dans un contexte de changements globaux. Le deuxième, c'est sur les ressources génétiques forestières, donc la biodiversité. Et puis, les services écosystémiques. Mais la multitude, ce n'est pas uniquement de se concentrer sur un seul service écosystémique, mais de prendre l'ensemble en considération. Et le quatrième thème, c'est sur l'innovation sociale et la partie bioéconomique en fait, qu'on peut engendrer de la forêt méditerranéenne. Donc, ces 4 thèmes-là, pour aller plus loin et voir qu'est-ce qui a été fait ou qu'est-ce qu'il faut faire sur ces 4 thèmes-là, EFIMED a commissioned, donc elle a commandé, si on peut dire ça, ou confié à 4 chercheurs de faire des revues, donc des revues bibliographiques et des consultations pour voir l'état des lieux. En fait, il y a un certain recoupement avec la thématique de l'agenda d'avant. Donc, vous les voyez, je me suis amusée quand j'ai pris ça en charge de voir si c'est totalement nouveau. Ben, ce n'est pas nouveau, c'était déjà dans l'agenda d'avant. Sauf que maintenant, il y a des choses qui ont beaucoup plus d'ampleur, comme le feu, comme la bioéconomie. Donc, c'était toujours d'actualité et c'est avec un accent plus important sur ces 4 thèmes, la résilience, les ressources génétiques, services écosystémiques et bioéconomie. Donc, quand j'ai repris ça, il y avait donc 4 articles, 3 d'entre eux étaient publiés, le 4e était en cours. Et donc, pour voir déjà, parce qu'avec la reprise, on a fait 4 webinaires, on a resollicité, donc on a exposé les résultats de ce que ces chercheurs-là ont trouvé dans les 4 papiers, dans les 4 revues. On a fait un webinaire dans lequel on avait des jeunes, on avait des universitaires, mais également des ONG, des gens des gouvernements qui ont donné leur avis sur cette thématique-là. Et l'idée, c'était de venir après pour finaliser l'agenda. Donc, on a pris également l'avis de ces gens, de ces experts qui se sont exprimés pendant ces 4 webinaires. Donc, on avait un par mois, un chaque semaine. Et puis, on a lancé l'agenda méditerranéenne fin octobre 2022. Donc, j'ai eu Covid ce jour-là pour la première fois. Donc, je n'ai pas participé à la naissance du bébé, plutôt à la déclaration de la naissance du bébé. Donc, j'en garde un joli souvenir. Mais c'est juste pour vous dire que l'agenda est lancé maintenant et on est sur ces 4 thèmes. Je ne vais pas aller en détail certainement pour vous parler de ce qu'il y a dans cet agenda-là. C'est juste pour vous expliquer comment ça a été conçu. Donc, on a un thème, un des 4 thèmes à chaque fois. On a identifié les principales questions de recherche qu'il faudrait aborder pour les 10 prochaines années, quelles sont ces priorités-là. Puis, on a essayé d'identifier quelles sont les approches de recherche qu'on recommande en se basant sur la réalité du terrain, qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis, quelles sont les opportunités qui se présentent et les recommandations. Donc, pour chacun de ces thèmes-là, un exemple rapide, donc je crois que j'ai pas le temps d'aller pour les 4, donc vous les verrez plus tard. L'agenda, j'ai ramené un exemplaire que j'ai mis à l'extérieur, un en espagnol, un en anglais. C'est également traduit en français. Vous pouvez scanner le QR code et avoir accès à ces 4, à ces 3 langues en fait. Donc de cet agenda-là, ce que je vais juste souligner maintenant, c'est que
on a vraiment bien pris en considération la disparité, la divergence, la richesse, je veux dire, de la diversité des écosystèmes de forêt et les réalités sociales autour de la Méditerranée. On a beaucoup parlé, par exemple, d'abandon des terres agricoles et ce que ça veut dire pour le nord de l'Europe et pour le sud de l'Europe. C'est deux choses complètement différentes. Également, on a un problème de manque d'herbivores au nord de la Méditerranée, alors que c'est complètement un overgrazing, un surpâturage dans le sud. Donc, on a essayé de prendre toute cette hétérogénéité en considération et de dire, voilà, ce qu'on a en commun, ce qu'il faut faire, en fait, et l'objet, pourquoi je suis dans cette session-là, c'est de dire qu'on va se baser, comme pour la première édition, sur le triangle recherche, éducation, innovation, en comptant sur tout ce qu'il y a au niveau de la Méditerranée comme richesse des différents côtés. Et pour pouvoir implémenter cela, eh bien, on a besoin de tous les acteurs autour de la Méditerranée. Donc, on a listé quelques-uns. Et donc, ce que fait EFIMED essentiellement, en général, EFIMED plus spécialement, c'est de coordonner ce réseau de chercheurs autour de la Méditerranée. Et puisque, voilà, donc on compte également dans l'implémentation, on a besoin de cette coordination, on a besoin de l'éducation, donc formelle et informelle. Et on a besoin aussi de solliciter ou de trouver de nouveaux moyens de financer l'implémentation de cet agenda par les chercheurs. Comme notre motto à EFI, c'est de connecter la science à l'action. Donc, c'est essentiellement ce qu'on fait. Donc, on va jouer également ce rôle à partir de ces questions identifiées par cet agenda, de faire tout pour prendre cette recherche, faire de sorte à ce qu'elle existe, et puis de la rendre utile, disponible pour ceux qui vont en faire quelque chose, que ce soit les acteurs locaux ou même ceux qui font les réglementations, les policies. Donc, un petit récapitulatif pour ceux qui ne savent pas qui est EFI. Donc, le carré a bougé, je ne sais pas pourquoi. Il est censé être sur Barcelone. Donc, EFI, c'est l'Institut européen des forêts. Donc, le quartier général, il est à Joensuu, en Finlande, puisqu'il y a 30 ans, au moment de la naissance de EFI, c'était organisé en fait pour la production du bois dans les forêts européennes et donc essentiellement dans le nord de l'Europe. Puis après, avec le temps, ça s'est diversifié un peu pour inclure, à part le côté économique, le côté aussi écologique. Donc, on a des bureaux à Bonn, en Allemagne, à Rome, Giuseppe en a parlé ce matin, et un bureau de liaison à Bruxelles qui s'occupe de toute la liaison avec l'Union européenne. Et le bureau à Barcelone qui s'occupe de la Méditerranée. En fait, EFI, la convention de l'Institut européen des forêts est ratifiée par 30 pays européens qui mettent de l'argent. Et donc, c'est officiellement une représentation des gouvernements dans le board de EFI. Mais notre force aussi, c'est les 130 membres. L'organisation membre qui sont dans tous ces pays que vous voyez, de 42 pays, où donc les structures de recherche proviennent de ces pays-là. Et donc, ça va dans les deux sens. On est en train de prendre ces informations scientifiques et de la traduire en quelque chose qui est utile pour la société. J'aime bien cette diapo parce qu'elle passe de gauche à droite et ça représente un peu ce que faisait EFI. Donc, elle est passée de la production de bois pur, okay, de l'économie du bois, jusqu'à prendre donc la société, après la biodiversité en tant que telle. C'est important aussi pour les forêts. Alors, ce qu'on fait actuellement, donc on est dans la coordination de plein de projets européens. Ceux-là, j'ai mis ici seulement ceux dont EFIMED est en train de gérer ou dans lesquels elle collabore. Donc aussi, vous verrez sur le site, beaucoup d'entre vous sont déjà dans certains de ces projets-là. Et pour avoir plus de détails sur ce qu'on fait, comment vous pouvez faire partie de ce réseau-là et comment on peut vous être utile, eh bien vous pouvez suivre notre newsletter. Et juste pour terminer, mais je pense qu'on pourra en parler également dans la discussion, j'ai encore 30 secondes, c'est de dire que le rôle principal qu'on est en train de jouer maintenant, c'est de coordonner avec toutes ces entités présentes en Méditerranée qui travaillent sur la forêt. Donc, on a déjà signé l'année dernière avec l'arrivée de Teodoro un Memorandum of Understanding avec SIAM. On travaille de très près avec Sylvamed, mais également maintenant avec Prima, avec tous les acteurs en fait qui travaillent sur les forêts méditerranéennes. On essaie de s'entraider, de se serrer les coudes, chacun dans son domaine fort, pour
faire de sorte à ce que les forêts méditerranéennes soient dans un meilleur état pour les années à venir. Voilà, je m'arrête ici. Merci beaucoup, Magda, pour cette présentation de l'agenda de recherche de cet organisme donc EFIMET, qui brosse bien en fait à la fois les domaines thématiques extrêmement prégnants, hein, comme la résilience des forêts, les ressources génétiques, les écosystèmes, la bioéconomie, et puis aussi qui montre bien l'intérêt en fait de la connexion en fait entre le monde de la science, on va dire, et l'opérationnalité. Et puis aussi ces accords très prometteurs et qui ont déjà eu lieu donc avec le CIAM, notamment Sylvamed à venir et d'autres acteurs. Merci beaucoup. Nous accueillons maintenant Madame Michèle Gendreau-Massalou, ancienne élève de l'école normale supérieure. Si, je vais faire une présentation, il n'y a pas de raison, pardon. Diplômée de l'Institut d'études politiques, agrégée d'espagnol, docteur d'État. Vous avez été successivement directrice de l'UFR de littérature et de civilisation espagnole. Vous avez été rectrice de l'Académie d'Orléans-Tours, conseillère pour l'éducation du président de la République, secrétaire général adjoint et porte-parole de la présidence de la République, rectrice de l'Académie de Paris, pardon, c'est impressionnant, conseiller d'État, rectrice de l'Agence universitaire de la francophonie. Bon, effectivement, ce sera long, mais voilà, vous allez nous présenter, c'est impressionnant. Madame Gendreau-Massalou, vous allez, au travers de votre présentation, proposer des éléments de réponse à la question suivante: quels espaces institutionnels pour les projets de formation communs aux sociétés civiles méditerranéennes? Voilà, la parole est à vous. Merci. Merci à tous et surtout au CIAM et aussi au GIDE, sa présidente, et qui m'a depuis maintenant beaucoup d'années admis comme une sorte de poil à gratter. Vous constatez qu'il n'y a pas de slide, je n'aurai aucune image. Si j'avais des images, ce serait celle d'institutions, et ce que je vais vous dire n'est pas nécessairement à la gloire des institutions, même si je me réjouis beaucoup d'entendre tous ceux qui en viennent amorcer des collaborations, parce que je crois beaucoup que c'est de la mise en commun des ressources scientifiques et de la volonté de créer des outils communs sur le terrain que peuvent naître des dynamiques qui, pour le moment, comme je vous le dirai, n'ont pas toujours donné des résultats. Je voudrais aussi vous dire que, comme vous venez de le voir, ma carrière est en partie française, mais que ce dont je vais vous parler, ce ne sont pas des institutions françaises. J'ai été heureuse de me délocaliser au Québec, qui défend mieux le français que la France. Je vais vous parler d'universités qui ne sont pas des universités françaises, de projets comme celui dont Jacques a dit deux mots, qui est financé par une institution privée et dont la formation se passe dans un pays d'Afrique, avec des professeurs africains, pour des jeunes entrepreneurs d'Afrique. Et je vous parlerai de projets dont le cœur et le centre n'est pas en France. Et je suis moi-même persuadée que la France ne soutient pas suffisamment les institutions multilatérales comme le CIAM ou d'autres, et que là où elle soutient des institutions multilatérales, c'est avec le secret espoir d'en prendre le leadership, la tête. Et comme ça ne marche pas, elle en subit ensuite le contre-coup, y compris sur le plan politique, et je connais le sujet. Et donc, de mon point de vue, le moment où nous pouvons ensemble construire quelque chose qui a un véritable intérêt pour les populations et en particulier les générations à venir, je ne parle pas des jeunes comme une génération séparée, on est tous liés à la jeunesse. Et la jeunesse aussi doit être sensible à tout ce que nous pouvons faire ensemble. Mais ce que je crois pouvoir vous dire, c'est que si nous voulons vraiment être utile, il faut faire confiance à des institutions où nous ne serons pas nécessairement, nous, pays d'Europe développés, les premiers. Juste un exemple pour vous dire que ça marche parfois. En Méditerranée, moi, comme vous le savez, je ne suis pas spécialiste des forêts, mais je suis spécialiste de quelque chose qui a été abordé comme une dimension vraiment culturelle importante, valoriser les savoirs traditionnels, là où ils existent. Et valoriser aussi l'histoire ancienne des pays méditerranéens. Ils viennent se créer une chaire, et j'y ai contribué en tant que mécène, une chaire
sur la Phénicie, la culture phénicienne dans tous les peuples du pourtour méditerranéen, Cartagena, Carthage, en Tunisie. Et même, vous savez où elle est ? Quelle est l'université qui a créé cette chaire à laquelle je suis fière et qui va être inaugurée demain ? Et bien sûr, je suis invitée, mais je n'y serai pas. C'est l'université Saint-Joseph à Beyrouth, c'est-à-dire au Liban. Tout ceci pour vous dire que quand on parle de l'Union pour la Méditerranée, on croit parler d'une institution dont le président français s'est vanté d'être un des pères fondateurs. Moi, j'ai vécu les débuts. Et je peux vous dire que je garde encore des relations plus proches avec Romano Prodi et José Luis Zapatero qu'avec Nicolas Sarkozy. Le projet est né des trois à l'automne 2007. Il s'est concrétisé en 2008. Et aujourd'hui, le pays qui investit le plus dans des institutions véritablement méditerranéennes, c'est le pays de Romano Prodi. C'est la Farnésine. Et puis, toujours en 2008, les grandes catégories qui se sont dessinées, ce sont des catégories développement des entreprises, enseignement supérieur, recherche, affaires civiles et sociales, énergie, action pour le climat, transport et développement urbain, eau et environnement, énergie, action pour l'environnement, qui n'ont pas donné aux forêts une place particulière. Et il y a un manque, et un manque qui correspond précisément au sujet que viennent d'aborder les différents intervenants et qui vont être abordés jusqu'au bout dans cette conférence. Quelques initiatives concrètes sont nées des pollutions du lac de Bizerte, mais les deux universités dont je me suis occupée, et qui ne sont pas du tout soutenues par la France, sont des universités qui manquent de projets dans des sujets qui sont demandés par les sociétés. Or, nous savons bien que les forêts liées à l'eau, liées au bassin versant, parce qu'on a parlé bien sûr de la réduction des gaz à effet de serre, mais finalement c'est la manière dont s'approprient les forêts, les peuples de la Méditerranée qui est notre projet commun, au Siam, au Gide, qui a cette particularité d'ailleurs, il faut le souligner, de n'être pas dans la dépendance, et la présidente du Gide y veille, des gouvernements, ce qui rend chacun des académiciens du GID libre absolument de ses propos, eh bien, ces projets n'ont pas encore de module de formation lié à la régénération des forêts avec toutes les problématiques complexes qui sont autour. Deux universités, disais-je, et elles révèlent les contradictions initiales, mais aussi les virtualités positives de l'Union pour la Méditerranée. Comme beaucoup des institutions qui ont été présentées, l'Union pour la Méditerranée, c'est interétatique. Il y a des représentants, des chefs d'État et de gouvernement, qui sont autour de la table, ça s'appelle Senior Official Meeting. Mais finalement, ce sont des projets qui sont demandés par les sociétés, qui sont analysés par ces représentants. Sauf que, pour qu'ils passent la barre des États ou des gouvernements, il faut aussi que ces États et ces gouvernements s'y retrouvent. Et là, l'émergence des conflits, qui sont tellement nombreux et tellement terribles en ce moment en Méditerranée, fait qu'il y a souvent des échecs des conférences ministérielles, parce que les représentants personnels sont là aussi pour construire des conférences de ministres, et que par conséquent, les acteurs des sociétés civiles, et en particulier les scientifiques qui souhaitent s'investir, sont souvent freinés par la résistance des États qui pourtant jouent un rôle important. J'ai dirigé une institution où j'avais exigé que les représentants des États et des gouvernements dans le conseil d'administration ne soient que 8, alors que les représentants des institutions de recherche et des universités, des 12. Ça n'a l'air de rien. Mais quand vous êtes à 12 représentants d'institutions scientifiques contre 8 représentants des gouvernements, vous êtes sûr d'avoir la majorité en tant que représentant des sociétés. Et cela, à mon avis, il faut en tenir compte pour comprendre ce que peuvent apporter et en même temps quelles sont les difficultés que rencontrent les universités créées par l'Union pour la Méditerranée. Elles sont deux. Et la plus ancienne a réussi à réunir sur des sujets divers, en particulier sur la coopération inter-entreprise entre pays de la Méditerranée, des professeurs d'une bonne demi-douzaine de pays, des étudiants de 8 pays différents, et simplement, elle est faiblement
financée par le gouvernement de la Slovénie qui n'a pas énormément de ressources financières. Et donc, elle a bien des problèmes pour se développer. Bien des problèmes qui sont liés au fait qu'elle est d'abord en Slovénie et que les autres gouvernements se sentent assez peu dépendants de son développement, puisqu'ils n'ont pas été au départ liés par une convention intergouvernementale qui, de mon point de vue, est néanmoins un des éléments fondamentaux pour qu'ils participent financièrement. Pas financièrement, oui, mais pas forcément de façon majoritaire. L'autre université, elle, se développe de façon extraordinairement vigoureuse. Elle est à Fès et elle s'occupe de sciences de l'ingénieur, de toutes les sciences de l'ingénieur. Et je suis sûre que si les ingénieurs du génie rural des eaux et forêts, vous avez, vous, dans chacun de vos pays, des écoles du génie rural des eaux et forêts. Aujourd'hui, avec la complexité des problèmes liés à la préservation des massifs forestiers, à la gestion des bassins versants, aux économies à réaliser en matière de distribution de l'eau, en matière de gestion de l'eau. Et là, il y a des savoirs traditionnels qui sont en Méditerranée à valoriser dans la composante, je dirais, socioculturelle qui peut intervenir dans la formation. Il y a de quoi construire des modèles, des modules et des modèles de formation professionnelle pour des institutions universitaires qui sont bien financées. L'Université euro-méditerranéenne de Fès, elle a une réputation extraordinaire et elle est si bien dotée par les plus hautes autorités, et je veux parler de Sa Majesté le Roi et de son gouvernement, le conseil d'administration, c'est le ministre des Finances qui est avec nous, qu'un nouveau projet qui apporte un début de financement universitaire, interétatique ou même privé a toutes les chances de se réaliser. Donc, proposition, simplement, que tous ceux d'entre vous, parce que je crois beaucoup que vous êtes aussi des souches de proposition de formation novatrice dans le domaine des forêts, qu'il faut rédiger cela ensemble à la suite de notre rencontre, qu'il faut en faire des outils de formation professionnelle qualifiante et de formation initiale et continue à l'usage des forestiers, à l'usage des étudiants, mais également à l'usage des communautés sur le terrain qui, elles, ont des savoirs traditionnels et sur le terrain, prennent en charge souvent la distribution de l'eau et la bonne gestion ou le remplacement des arbres morts et la prévention des feux de forêt. Et donc, si de vous émanent demain des propositions conjointes de modules de formation initiale, continue, professionnalisante pour des écoles nationales ou multilatérales de génie des eaux et forêts, j'aime bien ce mot, il est traditionnel, mais il associe la forêt et l'eau. C'est quelque chose qui me paraît, dans notre vision, tout à fait important. Si donc des modules existent, moi je peux vous dire que les relais qui permettront à ces modules de devenir des outils méditerranéens, dont le SIAM pourrait faire valoir qu'il est une des souches et le GIDE, un des appuis intellectuels, par la qualité intellectuelle aussi des chercheurs qui sont ici, des académiciens que réunit le GIDE, a toutes les chances, de mon point de vue, d'être aussi réel, aussi porteur que les études phéniciennes qui demain vont être inaugurées à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces magnifiques perches tendues. Vous l'avez dit, l'initiative Union pour la Méditerranée qui se proposait de faire du Mare Nostrum un espace de paix et de prospérité partagée a conduit, on le sait, donc et a eu un résultat, on va dire, mitigé à cause des tensions entre États qui ont conduit notamment cette institution à se concentrer sur des actions. Vous citez ces deux exemples magnifiques d'universités euro-méditerranéennes
créés dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée et qui peuvent offrir effectivement un cadre opportun, magnifique pour des projets forestiers et pour des formations à la hauteur des enjeux auxquels on fait face. Donc voilà, une belle piste d'ouverture pour les discussions à venir après la présentation qui les deux présentations qui viennent. Donc nous accueillons à nouveau Monsieur Khaldi. Merci bien. Donc nous accueillons Monsieur Khaldi, donc qui va nous présenter l'Association internationale des forêts méditerranéennes dans la coopération régionale. C'est difficile de parler juste après une oratrice de cette qualité. Pour être honnête, c'est un peu. Mais je vous remercie beaucoup, madame. Et j'ai eu des messages qui partent directement là où il faut, et notamment vers ces suggestions-là, je pense qu'autour de la Méditerranée, pas seulement pour les forestiers, mais pour aussi ceux du génie rural, de l'eau, etc. J'adhère complètement à cette proposition et j'espère qu'il va y avoir une naissance d'idées concrétisées. Voilà. Donc, je vais vous parler d'une association, l'Association internationale forêt méditerranéenne que je préside. C'est une petite association en termes de taille et en termes d'effectifs, mais nous avons fêté nos 27 ans il n'y a pas longtemps. Donc, nous avons. Nous existons grâce à la volonté de forestiers méditerranéens qui ont vu la nécessité de créer cette association qui va en parallèle à aux rencontres gouvernementales un peu sur la Méditerranée. Vous savez que dans les congrès forestiers mondiaux qui se font une fois tous les 5-6 ans, la forêt méditerranéenne en tant que forêt méditerranéenne spécifique n'existait pratiquement pas. La première fois où on a monté un stand de la forêt méditerranéenne dans un congrès forestier mondial, c'était à Durban en 2015. Avant cela, bon, bien sûr, les pays sont toujours là avec les stands, etc., mais il n'y a pas cette présence. On l'a fait aussi à Séoul en 2022, en Corée du Sud, et je vous assure que ça a fait quand même une petite curiosité par rapport à des gens qui ne connaissent pas les forêts méditerranéennes, ne connaissaient pas le liège, ni les fruits, les produits, les services dont on parlait. Pardon. Donc, je passe pour tout ce qui est cadre dans lequel on est, le nombre de, disons, d'espèces, les superficies, etc., les écosystèmes un peu particuliers, les espèces endémiques méditerranéennes. Donc, tout ça, on le sait. Donc, l'Association forêt méditerranéenne se veut un tisseur de liens, mais dans la convivialité et un peu dans le cool, quoi. C'est-à-dire, on veut échanger, être positif, essayer de mettre des liens entre des acteurs qui ne se trouvaient pas. Et ce matin, quand on parlait des échecs et des réussites qui sont enregistrés un peu partout, dès le départ, on a vu qu'il y avait des créneaux assez conséquents et pertinents dans lesquels on peut être utile. Et se sentir utile, c'est quelque chose de très important, et notamment dans le tissu associatif. Donc, on essaie de toucher le maximum d'acteurs ou le maximum de types d'acteurs qui gèrent la forêt méditerranéenne. Et on voudrait que la forêt méditerranéenne soit reconnue indispensable pour les populations qui vivent dedans ou à côté, mais aussi pour l'ensemble des populations méditerranéennes. Et ces dernières années, on a vu naître une dualité entre tourisme et écosystème côtier, etc. Bien sûr, on peut être dans la confrontation, dans le militantisme, et à la limite, on n'est pas dans cette voie-là, comme le font certains, mais nous pensons qu'il y a toujours moyen d'essayer de protéger les écosystèmes tout en ne freinant pas le développement ou en le rendre un peu plus durable, entre guillemets. Nous intervenons dans trois axes, trois grands domaines.
nous menons ou nous essayons de mener des actions pilotes, et ces actions pilotes n'ont aucunement l'intention de remplacer les projets ou les stratégies des États qui sont autour de la Méditerranée, mais on veut éventuellement montrer des choses qu'on ne voit pas. Ensuite, on veut développer une sorte de réseau ou de toile entre les acteurs, qu'ils soient publics, privés, des scientifiques, des professionnels. Et on voudrait, après ça, faire connaître au grand public les enjeux de la gestion des forêts méditerranéennes. Nous avons, entre guillemets, une certaine reconnaissance. Nous avons le statut d'observateur au niveau des conventions des Nations Unies. Nous avons le statut d'association de protection de l'environnement. Nous avons le statut d'association d'intérêt général. Tout ça, ça a des petites conséquences, notamment en termes de financement. Et nous avons des partenaires financiers qui sont de plus en plus diversifiés. Et comme nous n'avons pas de très gros projets, donc pour des petits projets que nous menons à l'échelle pilote, on essaie de diversifier un peu les sources de financement. Voici la répartition des membres du conseil d'administration aujourd'hui de l'AIFM. Ils sont dans 8 pays avec une dizaine d'administrateurs. Et pour illustrer un peu, j'aurais pu vous lister tous les projets qu'on a faits, etc., mais je vais essayer de vous donner quelques exemples, du moins les plus récents, que nous sommes en train de mener et les initiatives que nous faisons. On a un programme qui s'appelle RestoreMed Forest, où il y a de la restauration, toujours à l'échelle pilote, comme je l'ai dit, où il y a de la sensibilisation, y compris auprès des populations locales. Et on a ajouté à cela, en plus de la sensibilisation, des implications concrétisées dans le sens où il y a moyen, dans la plupart des pays méditerranéen, les interventions de la restauration, par exemple, se font ou bien avec les moyens de l'État, du gouvernement, ou bien avec les moyens d'entreprises privées qui jouent le rôle de prestataires de services ou prestataires de travaux. Et donc, nous, on est en train d'essayer de le faire à l'échelle locale et pilote, en confiant contractuellement avec des populations locales des actions de restauration. On prend des niches écologiques, des espèces qui soient endémiques ou rares ou bien qui sont symboles de certains habitats, et on essaie de faire le travail avec la population locale. L'esprit, c'est quoi? C'est de donner une sorte d'appropriation en disant que s'ils le font eux-mêmes, ils seront payés parce que de toutes les manières, on aurait payé quelqu'un d'autre le faire, mais s'ils le font eux-mêmes et que nous pensons que ça augmente énormément les chances de durabilité. Actuellement, on a des investissements, des projets pour faire ce programme-là au Maroc et au Liban. Donc, dans un esprit de préservation des espèces ou des habitats. On essaie, par exemple, au Maroc, on cible des espèces majeures pour essayer de les reconstituer, de les restaurer de manière un peu pilote, et on privilégie un peu certaines espèces endémiques, ici le sapin marocain. Donc, on intervient dans un parc qui s'appelle Talesemtane. Et nous avons aidé à la conception. Quand je dis nous, c'est pas nous qui avons fait la conception, mais dans le projet, on fait intervenir des experts locaux pour faire le plan de gestion et de restauration de l'écosystème. On a fait des actions, comme j'ai dit, de restauration, des ateliers de sensibilisation et des contrats avec la population locale. Au Liban, on travaille dans deux zones. Donc dans la zone de Bentayel et Medjez, et on intervient pratiquement de la même manière, sauf que il y a quelques petites différences parce que les besoins ne sont pas les mêmes, et on nous a sollicité pour
faire des solutions fondées sur nature, notamment pour développer l'écotourisme avec des circuits, etc. Et donc, on agit en conséquence, on adapte. Donc, les deux programmes dans les deux pays, pour certains, ça peut paraître un budget dérisoire pour des grosses associations, mais nous, on considère que ça va très bien et nous sommes contents et on le fait de la meilleure manière possible que nous avons. Nous avons travaillé avec la Fondation MAVA pour constituer un réseau qui s'appelle MedForWild, qui a été présenté ce matin par Oikos. Donc, ce bébé-là, on l'a fait développer dès le début et c'était orienté essentiellement pour faire une sorte de connexion entre des sites dits à haute valeur écologique. On peut en discuter, mais ça a permis quand même à des échanges assez conséquents et fructueux. Nous avons récemment aussi procédé à la mise en œuvre d'un projet que j'ai cité ce matin, qui s'appelle Medlantisque et qui a pour but de sortir du local de la frontière algéro-tunisienne à la Méditerranée. Donc, et nous avons donc touché des acteurs dans divers pays, l'Italie, la Grèce, la Tunisie, la Turquie et la France. C'est un petit projet, mais en termes de catalysation, ça a suscité beaucoup d'intérêt et j'espère qu'il va y avoir de la continuité. Actuellement, nous démarrons un nouveau projet qui s'appelle RESCOM, qui a été proposé pour être financé. Il est financé par le FEM et en partie par la Fondation MAVA avant qu'elle ferme ses portes. Et donc, c'est un projet qui n'est pas mis directement par l'AIFM, mais il est mis en œuvre par un consortium de biodiversité dont l'AIFM est membre. Ce consortium est né d'une volonté commune de mettre, et là c'est vraiment la session que nous avons maintenant, et cette table ronde, c'est autour de la coopération. Ça fait plus de 3 ans que nous avons constitué avec ces organisations-là ce consortium méditerranéen pour la biodiversité, et nous avons préparé ce projet qui a été accepté et qui est financé, et qui va démarrer officiellement avant la fin de l'année. Et donc, on a des sites à l'échelle méditerranéenne dans lesquels on essaie de mettre en œuvre des solutions fondées sur la nature au profit des populations locales et au profit des écosystèmes. Donc, on fait une sorte d'alliance des objectifs. Voilà l'objectif du projet, je passe directement. Il y a 4 composantes d'objectif. Ceux qui seraient intéressés peuvent le consulter sur le site AIFM, un peu ces informations-là. Actuellement, on prépare le budget alloué à ce projet RESCOM n'est pas un gros budget par acteur ou par membre du consortium. Donc, avec l'AFD, on est en train de préparer un projet complémentaire par rapport à ça pour essayer de toucher des choses qui nous paraissent intéressantes, pertinentes, mais qui n'ont pas été retenues lors de la soumission du premier projet par manque de moyens financiers. Brièvement, voilà ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Les semaines forestières dont parlait Giovanni Battista, on a été dès le début, de la première à la 7e. Donc, on est un petit co-organisateur, mais catalyseur de ces semaines-là. Et quand la forêt méditerranéenne a vu le jour, notre rêve, c'était d'avoir le congrès forestier méditerranéen. Là, c'est transformé en semaine forestière. Nous sommes très contents de ça. Nous avons participé à un partenariat de collaboration qui a été mené donc aux 2 congrès forestiers mondiaux, au congrès de la nature. Nous avons eu des projets que vous avez le nom ici, le temps ne le permet pas, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez aller visiter un peu tous ces projets qui ont été mis en œuvre par l'AIFM, que ce soit directement en tant que, disons, que porteur de projet ou bien un partenaire parmi d'autres. Donc, c'est des projets qui nous ont, pour être honnête et franc avec vous, ce sont des projets qui ont fait que la survie de l'association a eu une continuité. Nous pensons que nous avons dépassé la période un peu de comment dirais-je,
que l'association se disparaisse, mais la voie n'est pas si facile que ça. Donc, nous comptons quand même, pour le court terme, insister énormément sur l'organisation d'événements locaux et internationaux, renforcer les programmes de coopération. Et s'il y a une recommandation à faire, c'est rejoindre ce qui a été dit pour essayer, et ce qui a été dit aussi par Magda, c'est que nous ne sommes pas très nombreux. Les acteurs qui touchent les écosystèmes forestiers et méditerranéens ne sont pas très nombreux. Si on ne fait pas un effort pour essayer de travailler ensemble, vous savez un peu ce qui se passe en termes d'efficacité. Et donc, nous pensons aussi que nous ne sommes pas très forts et qu'il va falloir insister et faire mieux pour communiquer au grand public. Et nous avons ce matin, tout à l'heure, vu un peu la perception des populations vers les forestiers et vice-versa. Et donc, il y a moyen de faire un effort là-dessus. Donc, si vous avez envie de nous rejoindre pour cette association, n'hésitez pas, nous serions très heureux de vous accueillir avec nous. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation des actions et du dynamisme de l'Association internationale des forêts méditerranéennes, engagée aux côtés de la FAO pour les co-organisations des semaines forestières et dans de nombreux projets. On l'a vu, nous allons accueillir maintenant le dernier panéliste, donc Placido Plaza, ancien secrétaire général du SIAM et membre de l'Académie d'agriculture de France, pour partager des éléments de réflexion sur ce que pourrait être la coopération. Si. Très bien. Non. Ok. Bonsoir à tous. Comme je suis le dernier intervenant ce soir, je crois que mon obligation, c'est d'être bref, hein, et le plus direct possible. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir m'adresser à vous dans le cadre de cet atelier sur la coopération. Et je tiens à en remercier les organisateurs, le GIDE et sa présidente, chère Catherine, le SIAM et son secrétaire général, cher Teodoro. Je ne vais pas aborder d'aspect institutionnel pour des raisons bien évidentes et aussi parce que je partage l'opinion de Michel. L'abord institutionnel donne un focus qui n'est pas nécessairement toujours, hein, parfois il l'est, n'est pas toujours le meilleur pour discuter certaines des thématiques. En ayant parlé avec Teodoro et comme j'ai vu que certains d'entre vous ont aborder les aspects institutionnels et d'activité. Moi, je ne vais pas le faire pour le SIAM. Le secrétaire général, bien évidemment, le fera s'il le juge bon. Mais je crois que vous avez vu l'output du SIAM en matière de capacity building au long de ces années, en matière de projets de recherche-développement. Vous voyez ce qu'est le SIAM. Vous êtes dans un des centres du SIAM et vous connaissez partiellement le réseau de coopération et de projets que le SIAM a. Je pense que la coopération GIDE-SIAM maintenant a une idée claire de ce que nous avons fait ensemble en matière d'eau, puisque nous nous sommes réunis à Bari il y a 2 ans, je pense, hein, et que si aujourd'hui on se réunit dans le cadre de cet accord entre le GIDE et le SIAM sur la question des forêts, c'est que le SIAM a eu l'intention de remonter le profil de ses activités en matière forestière. Le fait que vous ayez aujourd'hui ici Magali, Antonio, Chariton et notre ami de Bari qui n'a pas pu venir, qui est un groupe de coordination et de réflexion pour une meilleure cohérence des actions du SIAM, mais aussi comme plateforme de coopération avec vous, dit tout de l'importance et de la perception que le SIAM a de cette problématique. Je voudrais simplement revenir dans le cadre de notre réunion d'aujourd'hui.
Et bien évidemment, il existe un énorme parallèle entre nos réflexions à Bari et aujourd'hui de celles que nous avons en matière de gestion des écosystèmes forestiers méditerranéens, parce que nous voyons bien que au travers de toutes les présentations que nous avons eues et des échanges d'expériences de chercheurs, de responsables du développement, il y a toujours en filigrane des lignes d'action et des modalités de montage de projets ou d'actions qui sont qui sont réitérées, qui reviennent constamment. Et c'est sur celles-là que je voudrais très brièvement revenir sur un thème aussi important que celui que nous abordons aujourd'hui et dont certains d'entre vous ont marqué non seulement l'importance pour nos sociétés, mais l'importance en matière de communication vers nos décideurs politiques et vers les différents éléments sociétaux. Je pense que le premier commentaire, je ne le sors pas de mon crayon, c'est l'importance du niveau territorial et régional. Je crois que déjà à Bari, nous avons abordé, et si le SIAM et le GID ont décidé de placer leurs actions et leurs réflexions avec une ligne de lecture au niveau des bassins versants, ce n'est pas par hasard. Et donc, nous avons commencé à analyser et à discuter la gestion des ressources au niveau des bassins versants. Et quand je dis le GID et le SIAM, c'est pas seulement les institutions, c'est aussi les pays qui représentent, parce que nous sommes là au service des pays. Et quand les pays vous donnent des priorités, eh bien, je pense que nous devons en tenir compte et essayer de voir quel type d'action nous pouvons monter. Donc, importance de la vision territoriale et régionale et du bassin versant comme unité d'analyse et d'action. La deuxième, c'est, et ça a été représenté ici à plusieurs moments, c'est pas la nécessité, quasiment l'obligation que nous avons de construire des ponts avec les régions adjacentes. Nous avons parlé de la barrière verte, nous avons parlé, nous aurions pu aborder les institutions existantes au Moyen-Orient. Il est clair, et ça a été dit, que nous sommes à l'interface de ces trois continents. Et si j'ai bien retenu ma leçon de Bari, le bassin méditerranéen est un métabassin. D'accord? Donc, c'est un métabassin. Donc, nous partageons cela. Et il n'est pas pensable d'élaborer et de penser des politiques qu'on va décliner en matière de capacity building de projet si nous ne prenons pas on board les franges de ce bassin méditerranéen qui sont africaines et qui sont moyen-orientales. Je pense que je prêche des convaincus sur ce sujet. L'autre chose qui est aussi d'une importance primordiale, et ça c'est plus qu'un problème de méthode, c'est un élément de timing, c'est l'obligation qui nous est faite, sinon d'anticiper, au moins de prévoir. Et donc, tous les éléments de réflexion et de prospective que nous pouvons avoir non seulement au niveau des thématiques prioritaires, mais aussi au travers des échanges sur les domaines dans lesquels nous pouvons monter et apporter, je crois qu'il nous est fait obligation d'utiliser cette voie et de nous y engager. Et ça, évidemment, on est toujours dans un problème de moyens. On est toujours dans un problème de moyens, un problème de moyens humains et un problème de moyens matériels. J'étais frappé par la dernière ligne de l'intervention de Giovanni Battista. Il disait, dans un contexte de ressources limitées, nous ne pouvons. Mais que faisons-nous ici si nous ne discutons pas de comment nous pouvons mutualiser et envisager, non pas que nous allions changer les modalités de programmation de nos institutions, mais au moins avoir une vision claire de où sont nos marges de liberté et de nous asseoir pour discuter comment nous allons pouvoir utiliser ces marges ensemble par rapport aux priorités établies. Tout ça ne préjuge en rien des libertés d'action de chacune de nos institutions. Donc, moi, je pense que à la base de la coopération, il y a la volonté.
Et moi, j'ai vécu des périodes, puisque maintenant ma carrière est un peu longue, j'ai vécu des périodes où cette volonté a existé. Et je peux vous assurer que nous avons fait des choses. Nous avons fait des choses en matière de capacity building, nous avons fait des choses en apportant des ressources propres de chacune de nos institutions, nous avons été capables d'aller chercher ces ressources, nous avons co-géré un IRANET sur les forêts méditerranéennes. Pour le SIAM, nous avons également fait toute une advocacy et géré en matière de recherche agronomique, mais tout ça est réplicable. Tout ça est réplicable. Et nous sommes capables de mobiliser nos pays et les ressources qu'ils sont capables d'amener. Hein? Et je pense que dans cette option de, ce n'est pas exactement un fundraising, mais d'intéresser un ou des pays qui sont les cibles de nos coopérations pour qu'ils apportent des ressources, non seulement c'est possible, mais moi je l'ai vécu. Mais je pense que si on n'en est pas intimement convaincu, les modalités de fonctionnement et de programmation sont telles qu'on n'a plus la marge de discuter de ces choses-là. Donc voilà, je pense que vraiment nous avons une obligation de réfléchir ensemble à ces actions communes et ces modalités d'action, et nous avons une obligation de voir quels sont les interstices et les deltas. Alors, on n'est pas obligé d'être extrêmement exigeant dans le niveau et dans le volume de ce que nous recherchons, mais au moins de recréer ces noyaux de coopération sur vraiment des sujets qui nous touchent tous et sur lesquels nous avons un output. Je vous remercie. Merci beaucoup, Placido, pour ces éléments de réflexion et sur ces pistes et sur l'importance accordée à la volonté. Les moyens, effectivement, il en faut, mais il y a des programmes, il y a des possibilités. On a beaucoup parlé d'éducation, on a quand même un programme qui est important de la Commission européenne, le programme Erasmus+, qui offre énormément de possibilités pour créer de jolis curricula. Voilà, donc la parole est à vous. C'est un moment important, me semble-t-il, pour discuter de cette coopération future. Oui. Merci. Oui, d'abord, je voudrais dire que je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Placido Plaza. Et malheureusement, je suis aussi entièrement d'accord avec ce qu'a dit Michel Gendron-Massalou. Je dis malheureusement parce que j'aimerais ne pas être d'accord avec elle. Mais malheureusement, j'ai constaté la même chose qu'à elle et nous en parlions hier soir. Et donc, une situation qui n'est pas satisfaisante dans la façon dont les institutions avancent sur toutes ces questions méditerranéennes. Alors, on arrive en effet, comme vous l'avez dit, à un moment important, et en écoutant, j'ai fait une proposition à la fin de la matinée, mais en écoutant cet après-midi, il m'est venu une autre idée dont je voudrais vous faire part, parce que à un moment, il faut, comme le disait le regretté Bruno Latour, il faut atterrir, savoir où on atterrit. Et on a parlé des forêts à travers beaucoup de disciplines, depuis hier, la sylviculture, l'agronomie, la botanique, l'économie, la psychologie, l'anthropologie, etc. On a assez peu parlé de droit. Et à un moment, quand même, le droit existe et il incite ou il contraint des pays à faire des choses dans certains domaines. Et donc, par le droit, on en revient quand même aux institutions, un peu. Et les institutions aussi existent. Et plutôt que d'en créer constamment des nouvelles, quelquefois, il faut peut-être solidifier celles qui existent. Alors, l'idée que j'ai eue en vous écoutant et que je n'avais pas eue avant et que j'aurais pu avoir avant est la suivante. Mais je vous demande simplement de ne pas dire que c'est moi qui vous l'ai dite. Parce que c'est une idée personnelle, je ne l'aimais pas au nom du plan bleu. La Convention de Barcelone, qui est donc le traité, qui a été le premier traité des mers régionales créé par le PNU, juste après la création du PNU, après la conférence de Stockholm, avec l'idée que comme la Méditerranée, c'était très compliqué, si ça marchait là, ça pourrait marcher ailleurs, va fêter son cinquantenaire dans 2 ans, en 2025. Après la Convention de Barcelone, qui a été donc ratifiée par tous les États riverains, il y a eu un certain nombre de protocoles. Il y a 7 protocoles qui existent, un sur le littoral, la zone côtière, à la fois marine et terrestre, un autre sur la pollution tellurique, un autre sur les problèmes offshore, etc., etc. Et donc ces protocoles, comme la Convention de Barcelone, ont la valeur de traité international.
Donc, c'est une valeur juridique forte, c'est une valeur qui est supérieure à celle de la loi. Et en plus de ça, dans les États membres de l'Union européenne, c'est-à-dire essentiellement les États du Nord, ils ont aussi la valeur de droit européen, parce que l'Union européenne est partie à la Convention de Barcelone, et la Cour de justice de l'Union européenne a considéré que même quand un pays n'avait pas ratifié un protocole, si elle l'avait ratifié, ça avait la valeur de droit européen, et donc la Cour de justice peut sanctionner un pays s'il n'a pas respecté un protocole au titre du droit européen. On peut toujours ajouter de nouveaux protocoles aux protocoles existants. Et donc, les débats d'aujourd'hui m'ont fait me dire qu'on pourrait réfléchir à l'idée d'un protocole sur les forêts méditerranéennes, qui serait une sorte de traité international qui lierait les pays méditerranéens entre eux, avec un ensemble de règles plus ou moins floues, plus ou moins précises, ça dépendrait de la volonté politique des États, et qui formerait aussi un cadre de coopération, puisque dans les protocoles existants, il est aussi indiqué comment les pays doivent coopérer ou essayer de coopérer entre eux sur tel ou tel sujet particulier. Pour que ça marche, je pense qu'il faudrait que ce soit les principaux pays forestiers qui poussent cette idée, c'est-à-dire l'Espagne, la France, l'Italie, la Turquie, éventuellement la Croatie et probablement le Maroc, parce qu'il faut qu'il y ait au moins un pays du Sud. Peut-être vous pouvez réfléchir à cette idée et voir si elle vous paraît intéressante. Elle aurait au moins l'avantage de remettre le sujet sur le devant de la scène, de faire en sorte que les États en parlent, que les institutions en parlent, etc. Pour tout vous dire, j'ai moi-même une très légère réticence sur cette idée que je viens pourtant de formuler, parce que depuis 2 ans, je pousse l'idée qu'il y ait un protocole sur le paysage. Pourquoi je pousse cette idée? Parce qu'il se trouve que je suis marin, et donc j'ai pas mal navigué, et je ne connais pas une autre mer dans le monde où il y a un tel mélange entre la beauté de la nature et la richesse de la culture, et où il y ait une telle interpénétration entre nature et culture. Et aussi parce que le paysage est un thème assez consensuel. Il n'y a pas grand monde qui est pour la dégradation du paysage, et c'est un thème qui est assez politique, parce qu'il parle aux populations, et que les États pourraient s'en emparer, et que le paysage est aussi un moteur du tourisme en Méditerranée. Donc, je sens assez bien ce protocole. Et donc, évidemment, si on lance un processus de protocole sur les forêts, ça pourrait ralentir le protocole sur les paysages. Mais en même temps, le protocole sur les paysages, si le protocole sur les forêts ne voit pas le jour, pourrait contenir une dimension paysage forestier, etc. Voilà, je ne veux pas être trop long. Je vous soumets simplement ces idées. Le GIDE et les autres institutions qui sont là pourraient être intéressées à explorer ces idées et à les soutenir. Oui, Guillaume Saint-Denis, sur la base de ce qu'a dit Placido Pazza, a émis une idée, effectivement, qui est très séduisante pour les forestiers que nous sommes. Ario, au sommet de Rio en 1992, on a écarté l'idée d'une convention contraignante, d'un instrument juridique international contraignant sur les forêts, au nom de, il y avait déjà la convention sur la biodiversité qui devait être approuvée, il y avait la convention cadre sur les changements climatiques qui devait être approuvée. Dans les tiroirs, il y avait la convention de lutte contre la désertification pour, en particulier, traiter des problèmes propres aux pays de régions faibles qui risquaient d'être, ne pas être bien pris en compte dans les deux conventions. Et l'idée d'une convention sur les forêts au nom de ces conventions qui allaient être décidées, a été écarté. Le résultat, c'est que nous n'avons pas, au niveau international,
un instrument juridique international contraignant sur l'objet de notre, de nos préoccupations, les forêts. Et nous nous voyons tiraillés entre les décisions prises par les COP, les conventions des parties de la Convention cadre sur les changements climatiques, de la Convention sur la biodiversité, un peu moins de celle sur la lutte contre la désertification, et nous nous retrouvons soit un peu oubliés, soit malmenés dans le dans ces processus. Ce que a proposé Guillaume Saint-Denis est séduisant, donc, comme je le disais au début de mon intervention, parce que ça pourrait être le noyau, un noyau ou le noyau de base d'un instrument contraignant sur les forêts. Je pense que l'Europe, on a discuté beaucoup entre pays de l'Union européenne, mais n'est pas toujours pas arrivé à un accord là-dessus sur une convention forestière, et je crois n'est pas très près d'arriver à un accord en Europe. Il y aurait là, autour du bassin méditerranéen, rejoignant pays du Nord et du Sud, un instrument forestier juridique international. Et je pense que c'est une idée à suivre. Merci. Merci pour ces pistes de cadre large, contraignant juridique, qui pourrait situer le paysage, pour reprendre ce qui a été dit. Est-ce qu'il y a des idées sur d'autres pistes, peut-être plus terre à terre, concrètes? Ah. Je ne sais pas si c'est concret ou terre à terre, mais donc, en fait, j'avais une proposition un peu identique, mais je voulais questionner aussi Magda éventuellement à ce sujet. Donc, il y a des projets en cours d'élaboration d'un partenariat de recherche et innovation, un partenariat européen de recherche et innovation, donc qui est en cours. Il y a une action qui étudie la possibilité de le réaliser, donc depuis un an à peu près, qui doit s'achever face à une action de 3 ans. Et donc une proposition serait de le transformer en partenariat méditerranéen de recherche et innovation. En tous les cas, le domaine forestier, même au niveau européen, est considéré comme petit dans ces partenariats européens. Il faut pouvoir rassembler, mobiliser des financements de l'ordre de 100 millions d'euros par an ou des choses comme ça. C'est pas très facile pour la forêt, mais la forêt et le secteur du bois, mais on peut à peu près y arriver. Mais la prise en compte aussi de la Méditerranée peut le faire grossir aussi un peu. Et puis, ça, voilà, ça, c'est l'entrée par la recherche est moins sujette à polémique que l'entrée politique, donc qui n'a pas marché à Rio, comme le rappelait Jean-Paul Lanly. Donc voilà, c'est une suggestion complémentaire. Justement, je voulais poser la question à Magda de savoir si ça se discutait actuellement dans le cadre de l'EFI et de FIMED et elle pourrait pousser aussi ce même projet d'ajouter la Méditerranée dans son ensemble à l'Europe. Alors, comme vous l'avez bien dit, en fait, il y a plusieurs initiatives en fait de financement pour la recherche, mais souvent il y a des programmes comme ENIS et BCMED qui sont spécialement pour la Méditerranée.
Et sinon, les Horizon Europe ou les pays méditerranéens pourraient participer, mais maintenant beaucoup plus qu'avant. On a découvert récemment qu'il y a DG NIR, donc il y a DG Environment, DG Agri, etc. Il y a le DG NIR qui s'occupe de la région méditerranéenne. Et donc, on sollicite maintenant, on est en train de travailler un peu lobbying part pour essayer justement de ramener tous les pays méditerranéens à faire quelque chose sur les forêts. Donc, c'est quelque chose qui est en train de se cuisiner maintenant. Et donc, à un moment donné, vous allez tous être conviés pour faire partie et de faire vraiment quelque chose avec un instrument assez fort. Et donc, comme vous le dites, l'entrée par la recherche semble être le profil sympa, quitte à après s'imposer correctement et faire quelque chose de plus conséquent. Et donc, EFI maintenant, donc depuis 2 ans, on travaille vraiment sur ça à EFIMED. Merci Magda. On va prendre juste une intervention. Je suis désolée, j'ai beaucoup, beaucoup de frustration parce qu'on me demande de clore. Donc, oui. Merci. Parlant de coopération, je vais peut-être être en dehors du contexte de la conférence, mais il y a quelqu'un qui est un exemple qui mérite de partager avec vous. Il s'agit d'un enseignant de sciences qui était à l'Université d'Alger, qui venait d'achever la construction de sa villa, et l'indépendance intervenant, il ne l'a jamais occupée. Il a terminé sa carrière à l'Université de Lille. Cela ne l'a pas empêché de former la meilleure université actuellement, plusieurs années de suite, celle de CITIF. Il a formé une génération qui a fait de l'université de CITIF l'une des meilleures du pays. Il mérite un hommage que je voudrais partager avec vous. Merci. Merci, c'est un joli mot de fin pour cette session. Je vous remercie à tous pour votre participation. Et il faut continuer le dialogue, bien sûr, sur ce thème. Voilà. Merci, bonne soirée.